kon nak dañu wota ñun jappu nañu auto gis nga intimidation xamuñ lu ko waral mais ñun nous sommes républicains lolu ñepp nak wala lolu ñu ngi kay wax ko mettre lu mais nak xamul so ñu suñ combat suñu juro jusqu'au bout inshallah comme lañu bëgg point donc lolu je pense que lolu da fait lima ci ajouter rek moy comme ciowli bari na ciowli jogna xex bu du xexu ñeñ jog wala xexu Omar Gueye da fa fekk na ñom ñaari ka yeb ci nek soxla na juroomi village yi nga xamantene ni en termes de ressources humaines machallah en termes de ressources financièrement aussi machallah legui tak da fa fekk na village yoyu biñu xamé lolu depuis 2013 ñu monter sen ben projet am ci projet de communalisation and sax yi nga xamantene ñoy sen chef de village parce que chef de village ñoo nek à la tête mais dañ toll fo xamantene les jeunes yi liñu man mag ñi manu ñu ko motax ñu jog nak le thème le vraiment ñun bëggu ñu sangal kam bëggu ñu babilo ñu bëgg bo ñu dox ñu suñu commune bop ndax lepp réunir en terme de tout on a vraiment on a toutes les conditions sont réunies pour ériger nous en commune lolu lañ doon réclamer dig dal parce que message bi dañ bëgg président Macky Sall mu yëk xam ko nek xam ñu xamal ka ne bëb intoxication bu ñëw ku koy gëmal ne Kër Ndiaye Lo xexu jëj job ak Omar Gueye lolu amul Kër Ndiaye Lo ku Kër Daw Rossar ak village yi ko wër ak cité yi ko wër ñom ñoo soxla seen commune bop waaw lolu dal mo waral ciowli di lancer message président Macky Sall di wo di ci wo ñep ñu bokku nday bokku bay di xamne xex bi du ay politiciens du ay dara ay wa population bi ñom ñoo jog bëgg seen commune bop lool rek ñuy profiter aussi redécoupage bi parce que ñuy intoxiquer nenañ Macky Sall nekk ci logique créer ay commune mais c'est absolument faux dans la mesure où bo démé fi nga xamanteni ni moy Kër Massar non seulement créer nañ fa département mo gëna gëna kon création amna mais aussi créer nañ fa benen commune buñu tuddé ke Aynou Madi kon donc ki bobu dañ koy dakh doctorat voilà argument bobu dakh nañ ko fim toll ni ñun liñu bëgg ci taxaw tém muy Kër Ndiaye Lo Kër Daw Rossar ku non l'entité ku non Kër Ndiaye Lo que l'entité ku non Kër Ndiaye Lo soit érigée en une seule commune de plein exercice waxu ñu jël ku non taf ko sangal kam waxu ñu jël ku non taf ko jaxay waxu ñu Kër Ndiaye Lo taf ko refus waxuñu kenen taf sangal kam ñun luñu bëgg moy ñooñu dañu parce que ñun en terme de tout dañu déggo parce que boy xol Kër Ndiaye Lo sangal kam boy xol ci histoire amuñu ben entente bi par rapport ak ñun suñu village yi xamna ay village lebu lañ ñun en terme de tout dañ jaxaso fi lañ organiser ay tournois yo ça va bien que donc ñun lepp socialement moralement financièrement et en terme de ressources humaines aussi on a toutes les qualités et toutes les conditions sont réunies pour que l'entrée Kounoun Kër Ndiaye Lo soit érigée en commune. Man la Mbaye Diop, je suis membre du comité de pilotage depuis 2013. Nous avons fait une caravane de sensibilisation comme nous avons fait depuis le début de commencer. Donc, nous avons fait découpage bobu nak mu am ay problème yo xamné jogné ci parce que découpage bo xamné bi ñi nga xamné ñom ñoko initié en tout cas bi kay def li nga xamné mom lañu wara def ñom buñ ko defone peut-être problème yi ñu am tay du am parce que bo né da ngay def dara pour askan bi nga xamné mo tax da ngay def da nga ci waxtaan ak ñom discuter ci ñom wax leen li ñu wara def bu ko defé ñu xam ko ñun ñëpp ñu and bok nday bok bay pour lool mais aujourd'hui on a vu que né il y a une volonté manifeste ci benn nit bu nga xamné dafa bëgg imposer benn volonté dans la zone té loolu ñu ñu ko nangu tay ñu ko nangu ëlëk parce que moy ñun suñu gox bi di Kër Daw Rossar onun Kër Ndiaye Lo onun ngalap cité enseignant ak l'ensemble des cités yi nga xamné mom lañu nekk ci ci plus d'une trentaine motax le collectif pour la communalisation de ces 5 000 habitants ñu and bokk day bokk bay pour demander à ce que ñu ériger ñu en commune de plein exercice on nous parle que dañuy def ay correction des incohérences territoriales mais correction yoyu mo indi découpage tay par rapport à la départementalisation de Kër Massar amna une commune nouvelle en l'occurrence Aynou Madi donc ñun li ñu bëgg moy mënu ñu ñëw tay bordu ji ci dëkk ci sangal kam alors que ñun bambilor gi nga xamne fa lañ bokkon dañu wax ne dañu fa bëgg joggé c'est pas pour ñu ne dañu bëgg joggé bambilor pour joggé fa mais dañu japp ne joggé bambilor gi dafa jaaru parce que dañu bëgg am suñu commune bop nak dañu matérialiser li nga xamne lepp matna pour ñu am une commune viable compétitive et porteur de développement comme ñu ko stipulé dans l'acte 3 de la décentralisation il se trouve qu'aujourd'hui
cette commune-là, lolu yépp am nañ ko possibilité pour avoir une commune viable am nañ ko. Nous avons les ressources de qualité, nous avons des responsables de qualité, manam lepp luñu xam le capital humain am nañ ko, am nañu lepp lu nga xamné jar nañu am ko ci walu infrastructure, ci walu économie. Nous avons des niches yo xamné da fay nek luy guen ay alal yu bare bare yo xamné certes sax peut-être nit ñi jëlul ko en considération, mais je vais vous rappeler une petite phrase bu nga xamné c'est le maire de la commune de Bambilor qui l'a dit lors du conseil municipal pour parler sur le projet de découpage. Il a dit ouvertement devant toute la presse nationale que le Sénégal, en tout cas la commune de Bambilor, manam 70% des recettes de Bambilor yi nga xamné mom la Bambilor di am ci un budget de 1,3 milliard voire 400 millions lepp mu ngi jëlé ci sunu goxu juromi dëkk yi. Ça veut dire que né lolu da fay c'est un aveu de taille bu nga xamné day wané né ñun war nañu mëna damal sunu bop parce que am nañ possibilité damal sunu bop, d'autant plus que le collectif pour la communalisation des 5 villages depuis 2013 lañ ko mettre en place, ñu di ci liggéey di ci dox ba heure bi. Mais li ma mëna wax rek moy on a vu hein, dans la semaine, à Sangalkam plus précisément, le coordonnateur, peut-être pas parce que coordonnateur c'est plutôt politique, mais en tout cas le maire de la commune de Sangalkam, ministre de la République, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, nous à Sangalkam, en fait un bain de foule, il y a que tu ailles en signe de victoire. Lolo, da fa di lo xamné li déjà man dama japp né autorité buñ ko xolone dinañ xamné ki il est juge et prêt parce que mëno ñëw déjà di jubiler alors que yow ya wara atté askan bi, yow lañ dénk territoire yi, ya wara fexé ba nga xamné boy corriger des incohérences dang ko wara tek ci anam yo xamné yi lepp day lèr. Mais lolu da fay wané né rek ils sont en train de tromper le président de la République. Pourquoi ma di ko wax parce que gox yi ak gox nga xani nit ñi ñoo bëgg ñuy ériger len en commune de plein exercice. Benen bi ci top moy suñu dëkk yi da di ay dëkk yo xamné li leen bolé dafa bari, c'est de l'histoire, c'est-à-dire bo jëlé Kër Ndiaylo, Kounoun, Kër Daw de Sar, Kounoun Galap, cité enseignant muy cité Mbaba Gissé ak les cité yi fi nekk yépp dëkk yi historiquement dañu bok. Man mi di wax ni buma dëkké Kër Daw de Sar, j'ai mes deux frères qui sont à Kounoun, ma sœur à Kounoun, bo démé Kër Ndiaylo sama cousin ño fa nekk fanen fo mën ti dem Kounoun Galap, c'est la même chose. Té limay wax ni mo valable ci man Alsan Diop mi c'est mon neveu. C'est la même chose, c'est-à-dire ay mbokk lañu quoi, donc duñu nang ku ñu diviser. Liñu bëggul nak moy duñu nek manam tay bu xeyé ñu né communauté rurale ñu né ñu nga Sangalkam, bu suba ñu créer nañ benen commune ñu yobbu nañu Bambilor, tay ñu né waat créer nañ Sangalkam lañ bëkk ñu jëlé waat ñu fofu indi ñu ci ñom. Mais ping pong bobu ba kañ, alors que population yi dañu am dignité, dañu am responsabilité, dañu bëgg seen gox, dañu bëgg lu développer seen gox, raison pour laquelle ñuy demander li ñuy demandé li dañ ko demandé nak tek ko ci yoon, tek ko ci fulak fayda parce que nous sommes les responsables. Nous and ak le président de la République du Sénégal nek ci watam di ko liguel and ak mom, ñeneen nek fanen and ak mom, parce que bu ngeen xolé bolo mi tay di ngeen fi gis toutes les sensibilités politiques confondues. Li ko waral c'est parce que dafa am un combat citoyen bu nga xamné mom lañuy mené, mom motax ñun ñepp ñu and bokk nday bokk bay nek pour dox lool. Kon ñu bëgg wax ni tay on a vu peut-être qu'on est en train de nous intimider parce que pratiquement on a vu que sunu caravane en tout cas gis nañ ne il y a des forces de l'ordre yu comment yu nek ci karam ak yu nek ci ginnaw. Tant mieux s'ils sont venus pour la sécurisation de notre marche, de notre caravane. Nous ne demandons pas plus, nous sommes contents. L'essentiel moy nañu xamne rek ñun jamm ñu taxa jog, mais waxtaan ak suñu askan pour xamal leen li ñu bëgg def askan wi nanguñu ka askan wi doxuñu ci, d'autant plus que bu ngeen sétané il y a de cela deux semaines, qui nga xamné mom lañ denk l'agence nationale de l'aménagement des territoires, le directeur de l'aménagement des territoires l'ANAT, gis nañ ko à la RTS ci point de vue muy expliquer la situation, mais il était un peu mal à l'aise parce que même mom si bopam dafa melni maîtriser wul won lim doon wax, parce que bu démé bay wax naan Merina Thiouba dëkk bu melni Merina Thiouba ak dëkk bu melni Daru Thiouba, c'est comme si mu ñu wax ay ñaari dëkk alors que même benn dëkk bi la, c'est à dire appellation yi moy changer non, c'est à dire pour wax ne bu amone concertation à la base nit ñi joxe seen xalaat kon bu ñuy def li dina am loo xam ne li population yi duñ jóg. Li tax population yi jóg nag c'est parce que liñ ko doxee ñoom moo jaadul, moo tegul ñu war a teg, moo tax nit ñi jóg. Loolu laa xam ne mënoon naa ko si wax, comme dañu yàkkam si responsable yëpp bari na, ñu si war a waxtaan bari na, mais ngeen jàpp ne.
sensibiliser suñu mbokk jigen ni sensibiliser suñu ay dëkk ci suñu projet communalisation bi nga xamne ñun ñoo ngi ci depuis 2013 fepp ñu wara jaar jaar nañ ko muy kilifa diine bu aad muy kilifa aad nak lepp def nañ suñu lepp ba mu mat te fepp ñu sa jaar def nañ ko ci ay kayit légui nak dañoo xey benn bëss ñu gi ñu ne ñu dañoo proposer benn projet et président de la république projet bi moy dañuy rafat correction découpage administratif bi te ñun dañ ñoo wara yobbu sangal kam te population bi d'accord ñu ci lolu ndax ñu sangal kam danaka dañ ko tripler te li ñuy wax ne mom la commune wara am mom la soxla pour dund lepp am nañ ko machallah muy kon bi muy espace bi muy nit ñi am nañ ko bu dey sa bu dey xam xam bu ko ciité am nañ muy ci walu goor ñi wala walu jigen ñi lepp ngi fi machallah ñun nak li ñuy laaj ñoko mom suñu ak suñu élève la jamm ak salam mo ñu taxa jog président de la république lañuy interpeller directement ta xamna affaire bi lepp ci mom la aaju mom moy signé wala mu xol nan la koy organiser soit day signé en faveur du ministre Omar Gueye wala mu fekk ci population bi nek ci base ci seen bëgg bëgg yow moy ñu ériger l'entité pour Keur Ndialo en une commune de plein exercice ñun daal loolu la ñuy sakku ci jamm ak salam rek da adama sam bokku ci comité de pilotage bu collectif des communes de la communalisation c'est 5 villages et cités environnantes may présente aussi bu commission féminine bu collectif nous sommes dans une caravane de sensibilisation donc la marche c'est pour plus tard on projetait une manifestation demain mais depuis l'annonce de ce funeste projet de découpage ou de rectification de la commune de Bambilor Sangalkam qui ne dit pas son mot. En réalité, nous sommes en face d'un phagocytage de cette communauté, de 5 villages et des cités environnantes qui sont quand même une population estimée il y a 5 ans, à 35 000 âmes. Aujourd'hui, avec le boom démographique, tout le monde sait que cette zone abrite au moins 60 à 80 000 âmes. Ça, je suis formel là-dessus. Vous avez une trentaine de cités, même plus d'ailleurs. Et si dans chaque cité, vous avez 1000 personnes, c'est 30 000. Sans compter les villages traditionnels. Vous allez à Keur Ndialo, vous pouvez avoir au moins 30 à 35 000 âmes. Pour nous, la même chose, Keur Ndialo, etc. Nous avons même plus de 100 000 âmes ici. Alors, mais ce qu'il y a ici aujourd'hui, il faut dès qu'on le dise à la face du monde que ce qui est en train de se faire sur le dos des populations est quelque chose d'ahurissant. C'est quoi exactement ? Ce qu'il y a, c'est que nous avons ici un découpage purement, je ne dirais même pas politicien ou politique, mais c'est un découpage paranoïaque. Pourquoi paranoïaque ? Parce que nous avons le ministre en charge des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui fut le président de la communauté rurale de Sangalkam, ce vaste empire foncier, ce vaste empire domanial sur lequel il a régné.